Eh bien, salut tout le monde, c'est Limikoupa. Aujourd'hui, on se trouve à Pony et on va devant l'arène de combat tout simplement pour affronter la légende de Pokémon. Et aujourd'hui, on tombe contre un Niramaya qu'on va attraper si on ne l'a pas eu. On l'a eu? Non, très bien, Pokémon pour le Pokédex, ça fait toujours plaisir. Allez, bâtard. Ah, ça a été presque. Allez. Une deuxième fois et après c'est fini. Allez. 1, 2, 3. Attrapé. Oui, je lis dans l'avenir. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Yay! Aniramaya! Ah oui, c'est vrai que le Makuhita, on l'avait attrapé en stream. Ouais, on a 36%, c'est trop bien. Allez. Donc aujourd'hui, on va à l'arbre de combat et on se combat contre un dresseur. Trop bien. Bon allez, au moins c'est cool, ça nous fera gagner un peu d'XP, hein, j'ai envie de dire. Et c'est surtout que, vu qu'on va faire la ligue une dernière fois, en fait, voilà, la ligue, je réfléchis toujours si on la fera que avec les Pokémon légendaires ou avec notre équipe de maintenant. Car je sais que si c'est qu'avec les légendaires, vous allez dire, ouais, les Mi, tu triches, c'est trop cheaté, hein, connard. Certes. Mais vous voulez terminer avec une équipe qu'on a eue depuis le début, même si c'est vrai que c'est pas con, ou terminer avec une belle équipe de légendaires. Là, je sais que vous hésitez comme moi, alors voilà, ta gueule. Petit enfant qui a aurait dit, ouais, mais tu es un con parce que tu veux pas finir le let's play avec ton équipe. Ta gueule, parce que je sais que toi, t'aurais fini un let's play avec tous les légendaires du jeu que t'as, alors. Voilà. Bon, après. C'est vrai qu'on a Solgaleo à avoir aussi. On a aussi Type 0. Même si je l'ai déjà eu par échange miracle, mais on va avoir le Type 0 de Gladio. Celui que j'ai par échange miracle, je l'échangerai. Hein. Je le rechangerai contre à quelqu'un. Je sais pas qui, mais je l'échangerai. Allez. Rayon spectral! Connard! Pas l'ombre. Oh non, il pleut. C'est ballot. Allez, coup critique, tu meurs. Quand? Waouh, vous avez battu Octave. Et surtout qu'aussi, on a une autre quête annexe que là, je ne peux pas vous dire car elle est très stylée. D'ailleurs, ça sera peut-être la quête annexe du prochain épisode, je ne sais pas. Même moi, clairement, je vous dis, les quêtes annexes qu'on fait, moi je les fais au hasard. Même moi, je sais pas, je fais laquelle quand. Je les fais vraiment au hasard, les quêtes annexes. Ah, mais il y a un Zygarde. Ok, on a notre Zygarde. Vite, vite, vite. Allez, cassez-vous! Arsnoudart! Oh non, mais là, oh là là. On va tellement pas se les. Oh! Oh le beau modèle que voilà, je prends une petite pause après mon centième croquis de la journée. Mais j'ai déjà battu tous les dresseurs du coin, donc, du coup je m'ennuie. Oh non, j'ai la flemme de faire un combat contre toi. Genre le mec il a réussi à me voir de là. En plus il a des lunettes donc il doit être aveugle, la logique. Mais bon ils sont chelous les mecs qui ont des lunettes comme ça. Ok, métamorphe. Oh purée, ça sent déjà que ça va être chiant qui va copier Luna là. Bon, après, j'ai envie de dire c'est bien pour l'XP, mais c'est chiant parce qu'il va copier Luna là et donc. Merde. Oh. Oh mon dieu. C'est vrai que c'est cool parce que maintenant, on est super efficace.
Salopard. Il est plus rapide que mon Lunalei. Jewelry. Coup de jus. Meurs. Adieu, plagiat de Lunala. Salut, Fener, niveau 65. Porygon Z. Ah, lui, faudra essayer de l'avoir un jour. Oula. Ah, il est stylé, il a de la gueule. Il a de la gueule, l'enfoiré. Bon, alors là, je vous dis clairement, on s'en fout. Fulgurel en gigavolt. Oh, on perd pas notre temps, là. Allez. Purée, c'est dommage qu'on n'a pas un truc pour passer les cinématiques comme ça, là. Allez, c'est bon, il est KO, c'est trop bien. On gagne encore du fric. Allez, Raichu niveau 65, ça fait plaisir. Purée, mais en plus, là, qu'on va battre cette légende, purée, l'XP qu'on va gagner. L'XP qu'on va gagner. Après, je me demande, est-ce qu'il a la même équipe que dans Horror God? Ça, je me le demande. S'il a la même équipe que Horror God, franchement, c'est beau. Franchement, là, ils auront fait une belle référence. Et franchement, juste pour ça, merci Nintendo. Allez, Lunala, t'es guéri à moitié. Allez, un Zygarde. Ça nous fait toujours plaisir. Oh, toi, je t'emmerde. Oula. Pas de risque. Une défense spéciale, ça nous servira à rien. Ok, là, on va en mode discret. Très bien, elle est là-bas. Ah, là, 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 là. Merde! Bon là vraiment il est hip ça. Ouais en fait elle avait juste eu un Mimiki. Juste ça. Ouais bah lui on est obligé de le combattre. Ouh tous les dresseurs qu'on va être obligé de combattre pour aller à l'arbre de combat. Bon bah plein d'ellipses. Allez c'est bon. Combat terminé. Regarde mon fort bizarre. Ah non, ah c'est vrai que je n'ai toujours pas eu de chelours moi. Bon après j'ai envie de vous dire, je suis pas le meilleur Pokémon. Allez, la vitesse de Luna la monte. Et là, il va falloir soigner mes Pokémon car il y en a trois qui sont morts. Donc c'était Lugarok, Raichu et Fenar. Les trois Pokémon les plus forts, bizarrement. Hein. Allez, pure. Parce que là, contre cette légende de la licence Pokémon, on a besoin d'être soigné au max. Sinon, on n'est pas digne d'affronter la légende. D'ailleurs, j'aurais dû sauvegarder. Oh, ça va. Je sauvegarde, mais sérieusement, je les ai même pas combattus. Pourquoi? Pourquoi je les vois pas? Ah, si, c'est bon. Et oui, voilà, c'est Red et Blue. Laisse-moi deviner, Télémi? Yep. T'as vu ça, Red? Rien ne m'échappe. Moi, c'est Blue. Et lui, c'est Red. Écoutez leur musique. Enchanté et bravo pour ta victoire, t'es le maître d'Alola maintenant. Nous on était les maîtres de Kanto. Une rencontre magistrale comme ça, ça n'arrive pas souvent. Tandis quoi Red? Donc oui, Red c'est le perso qui ne parle jamais. Et Blue, bah en final c'est limite son traducteur. Hein. Son pote est traducteur. Toujours aussi bavard celui-là. Écoute-moi, je suis dresseur, j'ai ça dans le sang. Quand je croise un adversaire digne de moi, faut que je l'affronte. Mais bon, il y a Red aussi, alors choisis qui de nous deux tu veux combattre. Alors, Red ou Blue? Pour ceux qui sont vraiment une grosse merde en anglais,
Red veut dire rouge et blue veut dire bleu. Et donc la légende de Pokémon n'est pas blue, c'est Red. Et donc je dois affronter cette légende. Donc on affronte Red. Comme tu le sens. Voilà, même Red, il était choqué qu'on veut le combattre. Il a de la gueule, il est bien stylé. Alors, est-ce qu'il a les mêmes Pokémon? Oh, déjà un Pikachu, ça commence un peu comme sur Heart Gold. Hein. Enfin, comme sur la deuxième génération plutôt. Bordel. A tellement pas le niveau! Bon, là, je vous dis clairement, si on meurt. Ce n'est pas trop grave. Car justement, en plus, je n'ai même pas d'attaque. En fait, toutes mes attaques sont complètement niquées. Ils sont toutes utilisées. Donc, si on meurt d'un côté, ce n'est pas très grave. Bon, bah voilà, il s'est suicidé, ce con. Allez, Raichu. Dans le doute, on utilise Raichu. Loc là, ça va, on avait raison. Hein. Donc, oui. Les mêmes Pokémon qu'il avait à la deuxième génération. Coup de jus. Très bien, il est paralysé. Merde, on est congelé. Allez. Guérison. Bien sûr, il envoie Florizarre. Garrok. Nous avons besoin de toi ici. Ah non, il n'y a pas que Garrok, on a aussi besoin de Venard Talola. Car Fenard est de type glace et le type glace fait mal au type plante poison. Enfin, plus le type plante que le type poison. Allez, laser glace. Ah, on cherche pas à comprendre là. Le fils de pute. Vous voyez quand je vous dis que c'est une légende, c'est tellement une légende qui te nique ta race. Allez, tempête verte, on est mort. Est-ce un choc? Je ne pense pas. Et de toute façon, si on meurt, tant mieux, parce que toutes nos attaques de base sont complètement niquées. Putain de merde, qu'est-ce qu'on va faire? On n'a tellement pas le niveau. Franchement, je pense que c'est plus parce qu'on n'a pas le niveau qu'on va se faire niquer que c'est parce qu'on a des Pokémon nuls. Enfin, en même temps. Attends. Il a. J'oublie. Pikachu, ouais, il était niveau 70. Attends. Et nous, on est que niveau 76. 76, non. On est dans les levels 60-65. Allez, Oratoria. T'as intérêt à tuer. Même si c'est lui qui a l'avantage de te niquer. À quoi j'ai. Tu es mort, bitch. Ronflex, putain de bordel. Et alors, quand on y repense, on a tué que deux Pokémon à lui, hein. Que lui nous les a tous tués. Pouvoir lunaire, allez. Sachant que c'est un peu son Pokémon le plus fort, je dis Force Z, Symphonie des Ondines. Je sais que je fais peut-être une erreur, mais l'erreur est humaine, j'ai envie de vous dire. Tiens, prends ça dans ta gueule, petit rageux. Ah oui, là l'erreur, elle a vraiment été humaine. Hein. Putain, il est même pas mort. Il nous reste que Bajoukan. Malheureusement, on est mort. Mais ce n'est pas si dramatique. Car c'est quand même raide. Et pour ceux qui le connaissent, savent que de base, il est très dur à combattre. Donc ce n'est pas très grave. Très bien, en plus, il est niqué, le Ronflex. Bon. Est-ce qu'on soigne les Pokémon? Je dirais oui.
Attends, Loclas. Il est paralysé. Ouais, on va le soigner là, on va soigner. Rappel. Vas-y, rappelle sur qui? Rappelle sur qui? Rappelle sur qui? Raichu, allez. On a besoin de Raichu là. Blizzard. Yes. Attends, même bec canon. Comme ça, au moins, on va pouvoir le brûler un peu. Bien sûr, on est mort. Parce qu'il n'a servi absolument à rien, cette attaque. Allez, Raichu. Merde! Non, j'aurais dû utiliser la force Z de Raichu sur Locke. Oh merde, bon bah tant pis. De la chance. Dommage, il meurt pas. Il a évité l'attaque, donc Locklass va mourir. Très bien. Tout ce que je voulais, c'était qu'il meure. Tortank. Et oui, parce qu'il a les starters de la première génération. Allez, on soigne Fenard. C'est chaud. Ouais, j'ai peur. Ça va être limite l'un des combats les plus longs du Let's Play, quoi. La Jarglace, on le tente. Après, faut juste espérer qu'il est jeu de merde. Bon, bah, c'est pas grave. C'est Red. C'est le dresseur le plus connu et le plus difficile à battre de Pokémon. Donc, ce n'est pas très grave. Tant pis. J'espère juste qu'on pourra se re-téléporter là. Putain, on est revenu à Mêlée-Mêlée quand même. Hein. Là, notre personnage, il a pas cherché à comprendre. Hein. Mais bon, maintenant que toutes nos attaques sont carrément refaites, sont carrément soignées même, là, on est bien pour aller niquer la race de Raid. Allez, 40 guérisons. Et 50, oui, on est bien, on est très bien là. On est plus que bien, j'ai envie de dire. Allez, on est de retour à Mêlée-Mêlée. Ah oui, c'est bien. On peut se téléporter directement là-bas. Voilà, ça c'est bien au moins. Et en plus, toute l'île de Ponia a été découverte maintenant. Donc, c'est quand même bien. Allez. Allez. Oui, je suis l'ami. Raid. Alors, on va d'ailleurs, Blue, c'est vrai que bah si on repère, on combattra Blue. Mais bon, faut une meilleure stratégie. Bon, déjà, juste ça avec le Pikachu, quand même, niveau 80-70, un truc comme ça fait déjà quand même très mal au cul. Oui, 70, ça y est. Rayon spectral. Mur lumière, très bien, il se protège, l'enfoiré. Bah, l'ombre. Très bien, il retire le Pika. Il envoie Ronflex. Bordel, il veut vraiment tout faire pour usage, l'enfoiré. Bah, allez, explose-lui. Hein. Ce qui ne fait absolument rien, donc ça pue la merde. Ah, on n'a pas de type sol. De type combat, je voulais dire. Ouais, vas-y. Oratoria. Me souille très bien, ça nous fait rien. Ariane l'écume. Très bien. On se fait niquer. Pouvoir lunaire. Il retire son Ronflex. Il envoie le classe. What? Quand même, je savais pas que le type pouvait faire mal à un Locklass, mais d'accord, la logique, hein. Si t'as envie de la niquer, Pokémon, fais-toi plaisir. Moi, je te contredis pas si tu niques des logiques, Pokémon.
Depuis quand elle le classe à une attaque de type psy? Expliquez-le-moi. Depuis quand? Putain! Ah bah là on n'a pas le choix, hein, Raichu. Pas le choix. Pas le choix. On n'a pas le choix. C'est dommage. C'est chiant. Allez, coup de jeu, comme ça moi si on peut le paralyser, on est bien. Bon, on l'a tué, c'est encore mieux. Raid la légende. Raid Blue sont des légendes. C'est les légendes de Pokémon. Allez, psycho. Fils de pute. Bazookan, tiens. Comme ça, moi, avec bec canon, il va pouvoir le brûler. Donc, on sera gagnant dans l'histoire. Très bien, c'est bien, mon petit Bazookan. Très bien, il est brûlé, ce con. Ouais, bec brille. Très bien, il le retire. Putain, il est très stratégique, là. Bien! Ouh, pas efficace, mais quand même, hein, je veux pas me le cocher, moi, mais... Ah oui, merde, on va mourir, parce que le type vol meurt face au type électrique. Alors, attendez, je regarde un truc. Ah, bah, il s'est tué, ce con. Bah, très bien, c'est un suicide parti, allez, ramenez-vous tous à la suicide partie, vous avez tous kiffé votre race. Allez. Vous avez tout ce qui fait votre race. Votre race. Votre race de coupe armée. Car la coupe armée vaincra les gens. Putain. Non! Très bien, il n'est pas mort. D'ailleurs, attends, j'ai envie de voir, il lui reste combien de Pokémon? Car ça se peut qu'on lui a mis à la moitié. Ah oui, on lui a bien mis à la moitié là. Allez, à quoi j'ai comme ça on est plus rapide. Et là, je pense que maintenant, dès qu'il va mettre son prochain Pokémon, là, va falloir soigner tout le reste. Tous les morts, va falloir les soigner. Oh putain de merde. Faut vite soigner l'autre là. Comment il s'appelle? Lugarok. Faut vite le soigner. Fenar aussi. Lugarok en premier et après Fenar. Très bien, tu meurs, dommage. Merci Oratoria, t'as été utile. Et puis de toute façon, si Lugarok meurt, on a toujours Luna là. C'est là où je me dis que j'aurais dû prendre Jirachi. Par contre, si on meurt, là je vais prendre des légendaires. Là je m'en fous, je vais faire une équipe de légendaires. Ah, vous pourrez dire que je suis un rageux, hein, qui coupe, je m'en fous. Là sur le coup, ça va m'énerver, donc vaut mieux prendre une équipe de légendaires. Qu'on lui nique bien sa race. Toute crevée de perdre à chaque fois. Hein. Honnêtement, vous aurez fait pareil. Vous pouvez rien me cacher, je sais que vous l'aurez fait. Car je sais tout, surtout. Plata ou plomo. Allez, Raichu. Là, on va faire directement faire la Voltazélite, hein, on n'a pas le choix. Là, c'est soit la Volta Zélite, soit la mort. Donc là, Fulgurulence Gigavolt. Très bien, on a l'avantage, on est plus rapide. Là, c'était soit ça, soit on meurt. Et honnêtement, je sais que vous n'aurez pas aimé qu'on crève. Surtout moi. Allez, il meurt. Et merde. Oh oui. Yes. Allez, gamin. Bon, c'est vrai qu'on. Ouais, non, on s'en fout. Non, mais on va réanimer juste Oratoria, là.
Allez, Dracaufeu, son dernier Pokémon. Déflagration. Ah, quand même, ça fait mal, hein. On aurait peut-être pu essayer de faire une attaque. Malheureusement, on n'a pas pris ce risque, hein. D'un côté, c'est vrai que si on aurait fait. On fait quoi? Est-ce qu'on soigne? Est-ce qu'on soigne d'autres Pokémon? Ou on prend le risque d'attaquer, mais on ne tue pas? Car je sais qu'on va pas te tuer. Franchement, je dis. On soigne Lunala. Comme ça, au moins, Lunala va être très puissant après. Très bien, il est brûlé, je m'en fous. Allez, Ariane l'écume. Maintenant, on a Lunala. On est tranquille. Très bien, en plus, il est. Tant pis. Bon, bah, au moins, c'est bien. Raid est vaincu. Très bien, tu vas pouvoir me rembourser un peu, Raid. Hein. C'est pas mal. En fait, on est les nouveaux boss de l'arbre de combat. Si t'arrives en haut de l'arbre de combat, tu sais ce qui t'attend. On se battra pour de bon. L'arbre de combat. Oui, bah là, clairement, je m'en fous. Hein. Attends, on va voir rapidement. Elle nous donne quoi les trois vieilles? Vous tombez bien. Bah, vas-y, j'ai envie de voir. C'est pas intéressant. Ouais, promis, mon cul. Oui, donc plus tard on va faire une vidéo de l'arbre de combat. Pour l'instant là, le prochain épisode ça va être une autre quête annexe. Là l'autre vidéo qu'on la prochaine vidéo qu'on va faire ça va être la quête annexe. Donc on s'arrête là. Mais prochaine vidéo, on sera à un autre endroit pour une autre quête annexe. Et sinon, bah ça sera soit après-demain, soit après-après-demain qu'on ira tout simplement. Attraper Necrozma. En tout cas, Necrozma, je vous le dis, on l'attrapera seulement quand on aura eu tous les tocos. Donc, par GTS ou qu'on aura réussi à les attraper. Donc voilà, vous le savez maintenant. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, commenter, partager. Et surtout, à vous abonner sur ce Stélémy Koopa. Et puis moi, je vous dis salut tout le monde.